Désormais, tout le monde les connaît, et pas seulement dans le milieu du vélo. Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet, le tenant du titre, sont de retour dans l'Ain, où toute l'équipe AG2R La Mondiale est un peu chez elle. Frédéric Brun, co-animateur de la première étape, est également ici chez lui. La saison précédente, il courait en élite à Bourg-en-Bresse. On était partis les deux pour le maillot de grimpeur et il a été plus rapide, donc déçu, oui. Comme dans la grande boucle, les étapes de plat du Tour de l'Ain sont gérées par les équipes de sprinteurs. Devant ses compatriotes en vacances à la plaine tonique de l'Ain, le Hollandais Raymond Grédère a remporté la première étape. Le Belge Gianni Mersman, déjà vainqueur du prologue à Saint-Amour, s'adjuge la deuxième à Saint-Vulbas, avec l'aide d'un poisson pilote nommé Mark Cavendish. De même que son poisson pilote, Gianni Mersman ne cherche pas à surnager quand l'eau s'abat sur la montagne et quand le Hollandais Bert-Jan Lineman s'échappe avec quelques autres. Tout le monde alors se réfugie sous le seul et grand parapluie de l'équipe AG2R La Mondiale. Dans la montée finale sur l'Elex, Romain Bardet réduit l'écart de 5 à moins d'une minute. Mais il ne pourra empêcher Bert-Jan Lineman de gagner l'étape et d'endosser le maillot jaune. C'est jouable encore demain ? Ben on va essayer. On n'est pas dans la position la plus favorable. Ça aurait été plus simple avec un maillot à défendre. Mais on va attaquer et puis on va tenter notre chance. Avec Jean-Christophe Perrault et avec tous les autres, l'équipe AG2R La Mondiale attaquera sans compter dans la dernière étape pour que Romain Bardet puisse conserver son titre du Tour de l'Ain. Mais à Arban, c'est un autre jeune et brillant Français qui gagnera l'étape, Julien Alaphilippe. Romain, certes, distancera le maillot jaune, mais au final, il lui manquera 11 secondes sur Lineman. Pas passé loin quand même, donc c'est pas que c'était impossible, c'est que ouais, je comprends pas trop l'intérêt de certaines équipes qui ont fait la course derrière. Voilà, c'est le vélo. Et... L'équipe AG2R La Mondiale a quand même remporté le classement par équipe. Celle du Vélosport Mâconnais s'impose chez les cadets. Car le Tour de l'Ain permet aussi à une centaine de jeunes coureurs de vivre intensément leur sport, tout comme d'ailleurs les cyclos. Au mois d'août, le Tour de l'Ain est vraiment l'autre fête française du vélo. Thank you.